Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quinté Flash, direction ce mercredi sur l'hippodrome d'Auteuil. Et oui, c'est enfin la réouverture à l'occasion du prix Jean Barthe. On va évoluer sur 3600 mètres, ce sera des haies. Et sans plus attendre, des bases en béton, bien évidemment, avec le 9 d'Entor des Obos, qui affiche un sans faute cette année avec déjà deux accessits, dont un sur cette piste. Sa forme est sûre, il est pris à sa valeur. Il va falloir être costaud pour le devancer. On va se méfier du 13 Grand Art, qui semble n'avoir jamais été aussi fort que cette année. Il fait bien Auteuil, l'engagement est très favorable, attention à lui, il doit lutter pour la victoire. Le numéro 3 est au Écho de Chandou, qui a fait ses preuves à ce niveau et sur cette piste, et qui est même invaincu en deux tentatives sur le parcours du jour. Autant dire que les ambitions sont là. Du côté des opposants, comment ne pas évoquer la candidature numéro 6, Anuma Freedom, qui est toujours aussi vaillant malgré ses 10 ans. Alors certes, il vient d'échouer sur l'hippodrome de Clairefontaine. Clairefontaine, Auteuil, ça n'a rien à voir. Auteuil, c'est son jardin. Son entraîneur est confiant. On va le reprendre justement en grande confiance. Le numéro 5, Saint-Anjou, pas des plus constants, mais souvent vu à l'honneur sur cette piste. Notamment l'an dernier, dans cette même course, une troisième place à la clé. Il est capable une nouvelle fois de jouer un bon rôle dans cette épreuve. Le numéro 2, Futbolisto, qui reste sur un succès à ce niveau. C'était à Clairefontaine. Fontaine, ça lui vaut 4 kilos de pénalité, ça complique un petit peu sa tâche, mais je pense qu'il est encore compétitif pour une place. Le coup de poker, ce sera le numéro 11, Ding Ding Dong, 2 sur 5 sur l'hippodrome d'Auteuil. Il vient de renouer avec le succès, c'était sur l'hippodrome de Vichy dans un petit lot, mais attention, il dépend d'un entraîneur très adroit qui ne cache pas avoir visé cette épreuve. On va donc lui faire confiance, il peut pimenter les rapports à l'arrivée de ce Quintet Plus. Les outsiders avec le numéro 10, Arenui, qui a connu plusieurs interruptions de carrière, ce qui explique qu'il ne compte que 8 tentatives depuis ses débuts en compétition. Il n'a pas fait ses preuves encore sur l'hippodrome d'Auteuil, mais là encore son entraîneur est adroit. S'il le présente, c'est qu'il y a des ambitions derrière. L'As Garrot de Juillet, ce Frenchie exporté outre-Manche, a fait ses preuves notamment l'hiver dernier sur l'hippodrome de Pau. Il était en valeur 61. Il reste sur un échec à Clairefontaine, alors il porte une montagne de poids, mais c'est un cheval de qualité qui, en valeur intrinsèque, a tout à fait le droit de jouer les premiers rôles. Je l'ai mis un peu plus bas parce que je le trouve un petit peu chargé. Le numéro 8, Béton Gamery, qui réalise sa meilleure saison aussi bien sur le steeple que sur les haies. Mais ici, c'est une rentrée après 3 mois d'absence et il n'aura pas son terrain puisque c'est un adepte des terrains lourds. Son entourage n'est pas très confiant, toutefois, je m'en méfie. Le 14, Schenko Magic, qui a échoué radicalement dans cette course en 2019. Il aurait été mieux sur un tracé coulant, mais sa forme est sûre. On ne peut pas l'écarter pour une 4-5e place, tout comme le numéro 7, Kim River, qui vient de renouer facilement avec le succès sur l'hippodrome de Saint-Malo. Alors évidemment, ça se complique à Auteuil parce que c'est un adepte des tracés coulants, mais là encore, sur sa forme, on peut s'en méfier pour une 5e place, mais pas mieux. Du côté des délaissés, ben, il en reste 3. Le 12, Blin, qui compte quelques bonnes sorties sur les balais, mais je la préfère nettement sur le steeple et sur les tracés coulants. On va même dire sur les tracés de province. Je pense qu'ici, ça va être compliqué pour elle. Le 15, Wad, qui n'a pas convaincu pour sa rentrée et risque de manquer encore de rythme. Il semble surtout taillé pour un tracé style Cagnes-sur-Mer, raison pour laquelle je l'élimine. Et enfin le 16, Bogos de Well, ce fils de Martaligne navigue à un niveau moindre. Alors sa forme est sûre, d'accord, mais ce sera une première à Auteuil. Je pense qu'il aurait plutôt sa place en deuxième épreuve. Son entraîneur n'est pas très chaud, raison pour laquelle je prends le risque de l'écarter. Voilà, on a fait le tour, on va se quitter avec ma sélection et surtout mes conseils de jeu. À vous de jouer.